voyez cette belle équipe devant vous, qui comprend des gens de la diversité. Maintenant, parmi toutes ces personnes, j'en connais une plus particulièrement qui a participé au bon déroulement de cette campagne. Merci de réserver vos applaudissements au directeur de cette campagne, Yann Ellary. Bravo Yann. Comme il le dirait lui-même, c'est pas fini. Je vais maintenant vous parler de la prochaine personne qui va intervenir. Cette personne connaît La Rochelle comme sa poche. Cette sportive a su apporter son dynamisme et son engagement à notre jeu d'équipe. Elle n'est pourtant pas professeure de sport, mais professeure des écoles. Cette nageuse émérite va ce soir se jeter à l'eau devant vous. Accueillez Catherine Léonidas. Bonsoir à tous. Merci pour le jeter à l'eau. Très impressionnant de prendre la parole dans ce lieu. Vous imaginez ce que ces murs ont pu entendre depuis des siècles. Donc ça m'impressionne beaucoup. Et très impressionnant de prendre la parole devant une telle assistance. Mais que ne ferait-on pas pour toi, Jean-François ? Il va pas falloir m'interrompre parce que je vais perdre sinon. Voilà, moi ce que j'aime dans la vie, c'est donner, transmettre, accompagner. C'est ce que je fais tous les jours dans ma fonction de maître formateur, transmettre des valeurs, des connaissances à mes élèves, transmettre des valeurs, accompagner les jeunes professeurs des écoles dans leur formation de futurs enseignants. Et c'est pour cela que je me suis engagée auprès de Jean-François, car son projet est de loin le plus abouti en termes d'éducation, en termes de jeunesse. Oui, il est vraiment urgent de rénover certaines de nos écoles. Elles tombent en morceaux. Nous devons accompagner les jeunes en facilitant leur démarche de création d'entreprise. Il est indispensable de relier le monde du travail à celui de l'éducation. Mettre en adéquation les centres de formation avec les besoins économiques du territoire. Je compte sur toi. Ce qui me plaît dans la vie, c'est de me mettre au service des jeunes et des moins jeunes, mes compétences. Bon, je suis maître nageur depuis 36 ans et j'ai appris à nager à des dizaines d'enfants ici et à de nombreux adultes là à la piscine municipale. C'est pour cela aussi que je me suis engagée auprès de Jean-François, car la pratique sportive doit être ouverte à tous. Une nouvelle piscine est souhaitable pour répondre à la demande d'activités aquatiques toujours plus importante de la part de nos concitoyens. Et je sais que des équipements sont attendus par nos jeunes dans les quartiers. Maintenant, ce qui me motive dans la vie, c'est d'offrir aux jeunes de nos quartiers un accès à une culture diversifiée et de qualité. C'est d'entendre mes élèves s'extasier devant les collections d'ethnologie du muséum. C'est de permettre à ces mêmes élèves de comprendre le faste des appartements d'Aimé Benjamin Fleuriot au musée du Nouveau Monde. C'est pour ça aussi que je me suis engagée auprès de Jean-François. Car dans son projet, il veut donner à la ville une vraie politique culturelle, parce qu'il veut dédier aux artistes locaux un lieu d'expression, parce qu'il veut une ville ouverte, investie par les artistes. Et je sais qu'il mettra tout en œuvre pour faire de l'aménagement des rythmes scolaires un dossier qui nous tient vraiment, vraiment à cœur, un véritable laissez-passer culturel, patrimonial, sportif, numérique, scientifique pour tous les enfants de la ville. En bâtissant une équipe pour la ville de La Rochelle, nous avons voulu faire en sorte qu'elle ressemble aux Rochelais, qu'elle puisse les représenter et traduire leur sensibilité. Celui qui va intervenir à présent n'a pas hésité à nous rejoindre et il s'est rapidement fait une place parmi nous. Il nous a rejoint d'ailleurs avec toute son équipe centriste. Je vais appeler Arnaud Jolin. Jean-François nous a demandé, à Jean-Marc et à moi, d'exprimer notre choix, notre ambition pour La Rochelle et surtout notre apport à son projet. L'exercice est sans doute plus facile pour Jean-Marc, tant le message écologique qu'il porte est fort et original. Il est tout à fait normal qu'il ait présenté une liste au premier tour. Tant que la France n'aura pas complètement intégré la nécessité d'une véritable politique écologique, l'action du mouvement qu'il représente sera légitime et indispensable. Pour nous centristes, la situation est différente, car nous avons rejoint Jean-François dès avant le premier tour. Nous nous sommes rendus compte que nous partagions tant d'idées pour la ville qu'il n'était pas utile de présenter deux listes distinctes. Alors je me suis demandé pourquoi nos programmes étaient si proches.
La raison est évidente. La Rochelle doit se construire et être construite sur une politique d'équilibre. Nul n'ignore la crise que vit notre pays. Au niveau de notre cité, elle se traduit par un endettement certain, une fiscalité assez élevée, un chômage bien présent, surtout parmi les jeunes. Ne noircissons pas pour autant le tableau, car il y a un espoir pour notre ville, et c'est cet espoir que je veux aujourd'hui ici vous faire partager. Jean-François et moi, nous nous sommes retrouvés d'abord sur une idée qu'il faut réinsuffler l'esprit d'initiative pour accueillir des entreprises performantes et créer des emplois non délocalisables. Nous avons plein d'atouts. Nous n'augmenterons pas la pression fiscale. Nous ferons tout pour diminuer l'endettement. Nous serons économes des deniers publics. Cette politique équilibrée que nous partageons et que nous proposons aux Rochelais, nous voulons qu'elle bénéficie du plus grand soutien. La Rochelle, forte, ne sera forte que si elle s'unit. Mais pour cela, il ne faut plus que les Rochelais aient le sentiment que leur ville ne leur appartient pas. Il faut donc une politique transparente, l'élimination des conflits d'intérêts, la quasi-suppression des cumuls de mandats. Il y a tant d'intelligence qui pourrait être utile à la cité qu'il est nuisible de concentrer les pouvoirs toujours dans les mêmes mains. Vous l'aurez compris, il faut définir les bases d'une nouvelle gouvernance. Nous revendiquons avec fierté notre position de ville pionnière, de ville pilote. Soyons-le donc aussi en termes de gouvernance. Le prochain orateur de la soirée est une femme, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle est deuxième de la liste. Cette spécialiste de l'habitat a su se loger durablement dans le cœur des Rochelais et tout particulièrement dans celui des habitants de Mireuil. Je vous demande d'accueillir Marie-Lise Fleuret-Payou. Chers amis, je suis en tant que radicale de gauche particulièrement heureuse de voir cette salle symbolique des grands meetings de Michel Crépeau comble, archi comble, pour soutenir Jean-François comme le font les radicaux de gauche, car nous partageons les valeurs humanistes et de progrès. La priorité des Rochelais est celle de notre leader, à savoir à avoir un emploi et un logement. Si du chemin a été parcouru en matière de logement social, la liste des demandeurs est toujours au même niveau, 6700 personnes dont 2100 logements. C'est la raison pour laquelle Jean-François s'engage à construire 2500 logements en 6 ans. Il s'engage aussi à réaliser du logement intermédiaire pour ceux qui, exclus du logement social, ne peuvent pas non plus se loger dans le parc privé, trop cher pour leurs ressources. Notre devoir est aussi de proposer aux Rochelais une accession à la propriété abordable, qu'elle soit sociale par les bailleurs ou qu'elle soit sous forme de location-accession pour les opérateurs privés. Il nous faut arrêter cette hémorragie qui consiste à faire partir nos jeunes et leurs enfants en dehors de notre ville, voire notre agglomération, pour réaliser leurs rêves, devenir propriétaires. Oui, nous perdons des forces vives. Oui, nous fermons des classes alors que les autres communes en ouvrent. Arrêtons cela. Lançons-nous dans l'habitat participatif et l'autoconstruction. Cécile Duflot, notre ministre du Logement, aujourd'hui le permet. Construisons des logements attractifs et accessibles pour que nos anciens puissent quitter leur grand logement tout en restant dans leur quartier où ils ont leur marque. Agir pour le logement, c'est aussi utiliser les logements vacants pour répondre à la demande et notamment repeupler le centre-ville. Et si la qualité de l'habitat est une question de dignité humaine, les grands projets nécessaires doivent se réaliser en concertation. Plus question d'arriver avec un programme de logement ficelé sans avoir consulté les riverains et les acteurs du quartier. Cela n'est pas acceptable et n'est plus accepté. Vous l'aurez peut-être remarqué depuis quelques mois, mais la mode est au blouson rouge.
Et cette semaine, je vois dans la salle devant moi, comme derrière moi, qu'il y a quelques écharpes jaunes qui commencent à arriver. Pardon. Quelques écharpes vertes. Nous avons eu le plaisir cette semaine d'accueillir parmi nous les colistiers d'Europe Écologie, les Verts. Ils ont fusionné leur liste avec la nôtre afin d'affirmer que leur parti, notre parti, c'est La Rochelle. Le professeur d'histoire et de géographie qui va intervenir a montré en nous rejoignant qu'il était résolument tourné vers l'avenir de La Rochelle. J'appelle Jean-Marc Soubest. Merci. Effectivement, notre parti, c'est La Rochelle. Notre parti à nous, c'est aussi l'écologie. On a beaucoup parlé d'écologie. Je vous ai entendu tous les uns et les autres évoquer le développement durable et toutes les questions qui ont trait à cette question qui est pour nous fondamentale. Mais avant d'évoquer les points pour lesquels on s'est engagé aux côtés de Jean-François Fountaine pour ces élections municipales, je voudrais rappeler quand même notre cheminement, parce que je pense que ce sera le cheminement, si ce n'est déjà fait, de beaucoup de Rochelais d'ici à dimanche. On est parti, nous, en autonomie, parce que les Verts, Europe Écologie Les Verts, depuis 25 ans, n'avaient pas porté un projet autonome sur la ville, n'avaient pas défendu dans un projet leurs idées, leurs valeurs et leurs propositions. On travaille sur ce projet depuis le printemps dernier. On a rencontré beaucoup de Rochelais dans les quartiers. Et on a constaté que cette ville avait besoin de changements dans ses pratiques politiques, des changements dans ses pratiques écologiques. Et même s'il y a eu des Verts, des écologistes en responsabilité, on estimait qu'il allait falloir, demain, donner un autre sens à l'écologie et construire véritablement à La Rochelle une politique écologiste qui redonne à notre ville un véritable temps d'avance qu'elle a perdu ces dernières années. Ce temps d'avance, on se propose de vous d'aider, Jean-François Fountaine, à le mettre en œuvre. On est parti sur deux constats qui nous semblaient essentiels. Porter un projet écologiste et citoyen, c'était pour nous répondre aux urgences sociales. On le constate tous les jours dans nos quartiers, aux urgences économiques, taux de chômage insupportable, et puis bien sûr aux urgences environnementales, les pollutions, les risques industriels, le développement des circuits courts insuffisants. Nous avions des exigences, nous avions des propositions à mettre en œuvre. Et puis un deuxième aspect qui nous tenait à cœur, c'est la citoyenneté, c'est le projet citoyen, c'est l'envie d'avoir une autre gouvernance dans cette ville, de redonner aux uns et aux autres, aux Rochelais et aux Rochelaises, toute leur place dans la prise de décision, arrêter par exemple de se voir imposer des cuves quand on habite un quartier qui se densifie et où on installe une crèche, où on installe un centre social. Ça voulait dire aussi arrêter de densifier à l'extrême dans des lieux où le paysage ou le patrimoine commun doit perdurer. L'identité de notre ville, elle passe par la construction ensemble d'un projet partagé. C'est ce projet partagé que l'on est allé proposer, après les résultats du premier tour, à nos partenaires de gauche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à La Rochelle, s'il y avait une liste écologiste, il y avait deux listes de gauche ici, et que c'est avec ces deux listes de gauche, bien évidemment, que nous avons discuté. Après avoir essuyé un refus de discuter sur des propositions concrètes de la part d'une candidate enfermée dans des logiques d'appareil, nous avons trouvé, avec Jean-François Fountaine, l'écoute, le partage et l'envie de travailler ensemble, l'envie de construire ensemble un projet écologiste, un projet qui redonne à notre ville un temps d'avance. Et moi, je vais vous dire, c'est pour ça, et c'est très exceptionnel, que j'ai accepté, ce soir, d'aller chercher
Et ce projet que l'on va porter, je suis fier de le porter avec un homme qui agit en toute transparence, en toute cohérence avec ses idées de gauche, et qui, avec nous et avec tous les autres membres de l'équipe, mais aussi avec vous, avec tous les Rochelais et toutes les Rochelaises, aura envie de redonner à cette ville l'image qu'elle a eue, l'image qui est très très belle et qui parcourt le monde, l'image d'un rayonnement que l'on a envie de perdurer. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, c'était Michel Crépeau. J'imagine que demain, on partira tous en bateau et on arrivera à faire une magnifique croisière pour notre ville avec Jean-François Fontaine. Donc une ville de projet, je ne vais pas occuper la parole trop longtemps, j'ai tendance un peu à déborder des quelques minutes que l'on me propose, mais c'est ma première prise de parole publique depuis la signature de notre accord, et je voulais pouvoir partager ma joie, mon émotion aussi, d'être à vos côtés et aux côtés de notre futur maire de La Rochelle. Donc dans ce partenariat, dans cet accord que nous avons signé, nous allons être transparents. On l'a été au premier jour. Nous allons être exigeants. Je pense que les exigences des uns et des autres feront progresser tout le monde. On sera exigeant sur les questions environnementales. On sera exigeant sur les questions d'urbanisme. On sera exigeant sur la question de l'eau. On sera exigeant sur la question du logement, qui est une question essentielle aujourd'hui à La Rochelle. On sera exigeant, bien évidemment, sur la question industrielle, sur la question des cuves de picotis, mais je sais, j'ai confiance, et si je me sens engagé aujourd'hui, si toute l'équipe aux écharpes vertes et bien d'autres sympathisants se sont engagés avec moi, avec Jean-François Fontaine, c'est qu'on est sûr que demain, les projets que l'on porte ensemble se mettront en place. Merci. Le prochain intervenant a su le premier mettre le parti des Rochelais au-dessus des appareils politiciens. Il va encore vivre avec nous un moment d'exception à l'oratoire, on ne le présente plus. C'est Olivier Falorni. Quel plaisir de se retrouver dans cette salle de l'oratoire. Quel plaisir de retrouver cette émotion fantastique qui me rappelle bien des souvenirs et qui surtout nous offre, je crois, de belles perspectives pour dimanche. Alors je vais vous dire ce soir, d'abord et avant tout, mon bonheur de nous voir réunis, rassemblés. Mon bonheur évidemment de retrouver toute l'équipe qui a mené cette campagne au premier tour, autour de Jean-François. De saluer ce rassemblement qui s'est opéré. Avec toi, Arnaud, Salomé, Marc et Christian, et qui nous ont apporté cette flamme humaniste, ces valeurs centristes qui ont irrigué le projet de Jean-François Fontaine. Et puis, une autre grande joie, et que nous mesurons ce soir à travers votre enthousiasme, et une joie qui est forte aussi pour moi de te retrouver à nos côtés sur cette même tribune, Jean-Marc. Jean-Marc et Marion et Brigitte et Éric et Gérard et Catherine et tous les écologistes qui se retrouvent derrière l'équipe de Jean-François Fontaine pour faire gagner demain, dimanche, La Rochelle. Alors, mes chers amis, il y a une semaine, jour pour jour, ici à l'oratoire, j'avais appelé les citoyens de notre ville à un choix de liberté et de responsabilité. Liberté d'abord. Liberté face aux pressions de quelques appareils politiques locaux, semble-t-il paniqués à l'idée de perdre leur emprise sur la mairie de La Rochelle.
Liberté, mais aussi et surtout responsabilité. Responsabilité face à un choix grave, majeur, qui engage l'avenir de notre territoire tout entier. Ce choix de liberté et de responsabilité, un nombre très important de Rochelaises et de Rochelais l'a accompli dimanche à l'occasion du premier tour et je veux les en remercier chaleureusement. Oui, l'essai a été marqué dimanche avec brio. Il s'agit maintenant, mes amis, absolument de le transformer dimanche prochain. Et cela passe, bien évidemment, par le rassemblement des Rochelais. À l'occasion du premier tour, un certain nombre de citoyens a aussi souhaité exprimer une sensibilité politique particulière. C'est tout à fait légitime, car c'est aussi le rôle d'un premier tour de scrutin. Mais le rôle d'un candidat qualifié au second tour, il est d'opérer le rassemblement de ses sensibilités, d'opérer le rassemblement de ses forces, de ses énergies, de ses volontés pour servir les habitants de notre ville. Ce rassemblement, Jean-François l'a permis et l'a réussi, avec la liste d'Arnaud Jolin et ses valeurs centristes, avec la liste de Jean-Marc Soubest et ses convictions écologistes, avec aussi beaucoup d'hommes et de femmes engagés dans le tissu associatif local, proches de la réalité du terrain et qui veulent devenir partie prenante de la construction du destin de La Rochelle. Vous savez, mes chers amis, l'entre-deux-tours d'une élection, c'est toujours ce que j'appelle un accélérateur de vérité. Un accélérateur de vérité car on découvre souvent, dans ces moments-là, à une vitesse grand V, les capacités ou les incapacités des candidats en lice. J'ai pu observer cela encore plus depuis dimanche soir dernier, la grande capacité de Jean-François à écouter, à échanger, à convaincre, à décider et à réunir. Et c'est une force exceptionnelle. Et le tout avec une étonnante sérénité, qui est sans doute le calme des grands marins, et avec, ce n'est pas le moins important, non seulement une maîtrise de ses nerfs, mais surtout une parfaite maîtrise de ses dossiers. Et c'est cette double capacité à rassembler et à maîtriser dont a fait preuve Jean-François, qui démontre encore plus, s'il en était nécessaire, qu'il est le maire dont La Rochelle a besoin. Alors, mes amis, vous le savez bien, dimanche prochain, il s'agira de choisir le prochain maire de La Rochelle, mais pas seulement, si j'ose dire. Il s'agira aussi de choisir, plus indirectement, le futur président de notre agglomération, qui aura à s'occuper de petits sujets comme l'emploi, le développement économique, le logement ou les transports. Autant de sujets majeurs qui font que ces mandats sont intimement liés. Et je l'ai dit, et je le redis ce soir encore avec beaucoup de force, ce serait une véritable catastrophe pour La Rochelle si notre maire n'était pas aussi le président de notre agglomération. Et pour la première fois, cette menace existe réellement. Car seul Jean-François Fontaine a la réelle capacité de convaincre et de fédérer autour d'un projet commun
les 27 maires de la CDA. Ne prenons pas ce risque fou de voir la CDA écartelée, divisée, morcelée, et notre ville profondément affaiblie de ne plus être le leader de notre agglomération. Aujourd'hui, plus que jamais, le combat pour l'emploi exige de l'unité et de l'efficacité. Et c'est pour cela que Jean-François Fontaine est le candidat qu'il faut pour être maire de La Rochelle et président de la CDA, car il est le seul à pouvoir être les deux. Et puis aussi dans cette campagne, nous vous avons proposé avec Jean-François un tandem pour La Rochelle. C'est-à-dire qu'enfin, enfin, enfin, qu'enfin le maire et le député de cette ville puissent marcher d'un même pas, travailler main dans la main sur des dossiers importants pour notre territoire. Chacun se consacrant à plein temps à sa mission, et pour cela nous vous proposons une addition. Une addition de nos convictions, de nos énergies, de nos compétences, car nous voulons par-dessus tout qu'enfin à La Rochelle, 1+1 égale vraiment 2. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, pour ne pas être plus long et laisser la place à celui que vous attendez, toutes les raisons qui font que votre choix de dimanche sera, encore plus que dimanche dernier, un acte majeur de liberté et de responsabilité. Je suis confiant, car je sais que les Rochelais sont des hommes et des femmes profondément libres et profondément responsable. Mais je sais aussi qu'aucune victoire n'est donnée, qu'aucun succès n'est acquis avant que le dernier bulletin de vote ne tombe dans l'urne. Alors ce soir, j'en appelle à la mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui veulent faire gagner La Rochelle, qui veulent faire gagner dimanche non pas seulement une équipe, et c'est déjà beaucoup, mais qui veulent surtout, avant tout, faire gagner une ville, cette ville belle et rebelle que nous aimons tant et que nous voulons servir plus que tout, par-dessus tout. Merci. J'avais annoncé que vous étiez 700 personnes tout à l'heure. Mais la salle s'est remplie au fur et à mesure, donc vous pouvez vous féliciter, vous êtes plus de 800 personnes ce soir. Merci. Et pour les retardataires, c'était le bon moment d'arriver parce que le prochain discours va être important. On le connaît comme un grand sportif, comme un chef d'entreprise responsable et efficace. Ces mois de campagne ont révélé un homme chaleureux, ouvert, avec une vision et un projet pour La Rochelle autour duquel il a su réunir. Jean-François Fontaine. Chers amis, il y a une certaine émotion ce soir. C'est la dernière réunion publique que nous aurons avant le vote de dimanche prochain. Nous avons engagé cette campagne, quelques dizaines au début, puis quelques centaines. Et ce soir, nous sommes une foule considérable. Je veux vous faire part de ma gratitude. Vous avez été tout au long de cette campagne de plus en plus nombreux. Vous m'avez accompagné
Il y a eu des moments de bonheur, des moments plus difficiles, et à chaque fois qu'on peut s'interroger, à chaque fois qu'on se le demande, faut-il continuer ? Vous m'avez tous dit de manière unanime, Jean-François, il faut aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, c'est dimanche prochain. Je veux exprimer aussi mes gratitudes à tous les militants qui, souvent dans l'ombre, ont travaillé, ont tracté, ont collé. Je ne sais plus à combien nous en sommes, mais c'est considérable. Ont été faire du porte-à-porte pour convaincre, ont fait les marchés, ont fait tout ce qui fait une campagne aussi importante comme une ville pour La Rochelle. Et vraiment, je veux leur dire à tous, ceux qui ont été visibles et ceux qui sont restés dans l'ombre, un immense merci pour toute la tâche que vous avez accomplie. Je veux saluer ce soir toutes les personnalités qui nous ont accompagnés pendant toute cette campagne, qui ont été présentes dans d'innombrables réunions. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Je ne pourrai pas tous les citer ce soir. Je veux citer Colette Chéniaud, je veux citer René Beneteau, qui a été présent à toutes nos réunions. Je veux citer Josie Moinet, qui était là à ma première réunion. Je veux saluer Benoît Biteau, qui est vice-président du Conseil régional. Je veux saluer Bernard Grasset. Je veux saluer un des nouveaux maires de l'agglomération. Nouveau parce qu'il vient d'être réélu dès le premier tour, Henri Lambert. Je veux saluer la présence de Jean-François Vatré en bonne situation pour demain, pour dimanche. Et je veux saluer, et c'est pour moi un honneur, la présence d'Annie Crépeau. Annie, ta présence me fait très chaud au cœur. Ta présence est pour nous vraiment un honneur et un encouragement, et surtout un encouragement qui est un signal envoyé à tous les Rochelais pour dimanche prochain. Alors, vous l'avez vu dans toute notre campagne, on ne cède jamais à la polémique. On essaye de toujours tirer vers la politique, vers le haut. On a essayé de nous entraîner dans des polémiques nous disant... Et Arnaud le disait tout à l'heure, Jean-François est un homme à droite, très à droite. Je trouve que c'est un petit peu exagéré peut-être. On nous dit, vous êtes à gauche, très à gauche. Pour certains, c'est vrai. Et les Rochelais nous connaissent bien. Ils ont déjà appris à nous connaître. Ils ont pu juger notre parcours. Donc je les laisse eux-mêmes se forger une opinion sur notre positionnement politique. Après le rassemblement avec le centre et l'appui d'Arnaud Jolin et toute cette équipe, cette semaine, c'est Jean-Marc et toute son équipe qui nous a rejoints. Alors, quelques voix se sont élevées. Jean-François Fountaine n'est pas un écologiste. Et je vais vous dire un secret, c'est vrai. Parce que si j'étais un écologiste, ça ne s'appellerait pas un rassemblement. Et je vais vous dire un autre secret. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec des écologistes. Au Conseil régional, en 2004, nous avons emporté la région. Et notre présidente était en campagne présidentielle, et donc nous avons eu, quelque temps, un certain degré de liberté. Et j'ai senti que la présidente du groupe des Verts avait envie aussi d'utiliser cet espace de liberté.
Et nous avons construit ensemble, sous la haute autorité de notre présidente bien sûr, des choses qui ont fait avancer notre région sur le plan environnemental. Ce que nous avons fait à l'époque, eh bien, nous avons mis en place un réseau de TER. À l'époque, rappelez-vous, les TER étaient anciens. Marie nous poussait pour qu'on ait un programme extrêmement ambitieux. Non seulement nous avons mis en place un programme extrêmement ambitieux, mais nous avons, avec Rochefort, construit la desserte cadencée qui est utilisée aujourd'hui par des milliers de Rochefortais et des milliers de Rochelais. Nous avons aussi construit ensemble des contrats régionaux de développement durable. Si vous allez à Saint-Éloi, si vous allez à Mireuil, vous les verrez. C'est toute cette rénovation qui a été faite dans l'habitat, pilotée par Marie-Lise. On a fait des choses qui ont mis 6 ans à se faire. C'est normal, ce sont des programmes qui se mettent dans la durée. Mais en tout cas, je suis très fier aujourd'hui de voir ces programmes arriver à leur terme. Nous avons mis en place aussi un outil qui s'appelle une agence foncière régionale, qui permet aux collectivités locales de maîtriser leurs fonciers et ainsi d'avoir des projets d'urbanisme qu'elles peuvent réellement maîtriser elles-mêmes. Moi, je garde de cette période une période d'une formidable collaboration et d'une amitié sincère qui s'est nouée. On a fait du bon boulot ensemble et je compte bien qu'on fasse demain le même boulot, main dans la main. Jean-Marc l'a dit, ils sont exigeants. Et c'est vrai que nous avons travaillé une demi-journée pour voir quels étaient les points sur lesquels on pouvait trouver des terrains d'entente. Notre programme était déjà largement compatible. Mais il a fallu aller sur quelques points un petit peu plus loin. Nous l'avons fait dans la transparence. Nous avons publié hier sur Internet un document co-signé qui montre ce que nous ferons ensemble. Je vais prendre 2 exemples. Jean-Marc et Europe Écologie Les Verts a souhaité que nous allions plus loin dans l'économie sociale et solidaire. Nous portons un discours économique extrêmement fort parce que nous pensons que l'emploi, le développement économique est quelque chose pour nous d'essentiel. Mais pour nous, renforcer le volet économique et social ne présente aucune difficulté. Nous avons dans notre équipe de nombreuses personnes qui sont déjà responsables de structures d'insertion. Je pense à Michel Carmona qui préside la régie de quartier Diagonale. Je pense à Marc Béraud qui est déjà un militant bénévole de l'ADI. Je pense à de nombreux membres de notre équipe. J'aurais pu citer aussi Soraya avec sa structure d'insertion. Donc pour nous d'accepter d'aller plus loin et plus fort sur l'économie sociale et solidaire ne présentait aucune difficulté. Je vais prendre un autre exemple, la politique de l'eau. Vous aviez, dès l'origine, dans votre projet, émis le souhait que les premiers mètres cubes soient presque gratuits. Nous regarderons toutes les modalités de mise en place pour faire des efforts pour ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir financer. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Mais que par contre, pour les consommations plus importantes, ce qu'on peut appeler les consommations de confort, bien les tarifications soient un peu plus élevées. Eh bien écoutez, à La Rochelle, que ce soit l'agglomération qui produit l'eau ou à la ville qui la distribue, nous gérons l'eau de façon publique. Donc mettre en œuvre une telle politique est possible. Nous avons trouvé un accord sur ce terrain-là. Je considère que nous avons enrichi notre projet. Et puis, ils sont venus dans notre équipe, puisque ça s'appelle une fusion. C'est bien normal. Alors, certains ont pu parler de marchandage et de termes pas toujours très gentils. Je vais vous dire comment on a fait. C'est assez simple. On a regardé les résultats du premier tour. Ça a donné la répartition naturelle et ça n'a présenté aucune difficulté que de trouver un terrain d'accord. Et ce que je trouve intéressant dans cet accord, c'est que j'ai avec les Verts également une vision importante, c'est la vision de l'action dans la durée. Il faut avouer que sur un certain nombre de sujets, comme le réchauffement climatique, comme la montée des océans, ils ont eu raison avant d'autres. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont été ceux qui ont prévenu. Attention, il y a un certain nombre de sujets qui, il y a 4 ou 5 ans, étaient contestés, qui aujourd'hui ne sont plus contestés. Et il faut admettre qu'ils ont eu un temps d'avance sur un certain nombre de réflexions. Alors certes, la mise en œuvre de politiques audacieuses n'est pas toujours facile, dans l'immédiateté, dans le moyen terme.
Mais moi, j'apprécie cette vision de long terme qui consiste à dire où est-ce que va notre planète, où est-ce que va notre agglomération, quelle part on doit prendre dans cette réforme écologique que nous devons entreprendre. Et je vais vous dire une chose, le travail dans la durée, cela a été toute ma vie. Je n'aime pas l'éphémère, je n'aime pas les effets de manche, je n'aime pas les paillettes immédiates. J'aime ce qui se construit jour après jour, à partir du moment où on sait où l'on va. Premier exemple, c'est ma vie d'entreprise. Je quitte mon entreprise après 38 ans d'activité. Je laisse une situation tout à fait convenable à ceux qui vont me succéder. Je vais prendre un autre exemple que Bernard Grasset connaît bien. Il y a 20 ans, à Rochefort, nous lancions un projet un peu fou, l'Hermione. Certains nous disaient « mais ça ne marchera pas, nous n'arriverons jamais ». Mais je peux vous dire une chose, que main dans la main avec l'association Hermione et la ville de Rochefort, l'Hermione sera l'an prochain au large des côtes de La Rochelle. Cette action dans la durée, je vais prendre un autre exemple, notre directeur de campagne, Yann Hilary. La presse s'est fait l'écho ces derniers jours que le parc du Marais Poitevin avait retrouvé son label. Ce n'est pas une petite chose. C'est convaincre plusieurs dizaines de maires de sensibilités différentes d'aller dans le même sens. Eh bien, toi et ton équipe, au bout de 10 ans d'un travail acharné, vous avez réussi à reconquérir ce label. C'est la preuve que l'action dans la durée, ça paye toujours. Cette action dans la durée, c'est ce que je vous propose d'entreprendre. Une fois l'élection passée, jour après jour, mois après mois, d'embellir notre cité, de la développer, d'aller vers les politiques environnementales que nous avons signées ensemble, de construire cette cité de l'innovation, cette cité d'esprit d'initiative que Arnaud, tu rappelais. Il n'y aura pas de bouleversement en un jour, évidemment. Donnez-nous le temps d'un mandat, mais ne vous serez pas déçus. Vous verrez, mois après mois, année après année, une ville dont vous serez de plus en plus fiers. J'ai évoqué largement, la semaine dernière, le projet. Je veux vous parler un petit peu plus de méthode. Nous avons une belle équipe, avec des convictions, des caractères, des gens qui ont déjà de l'expérience, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et je conçois mon rôle de maire moderne comme celui d'un chef d'orchestre, pas celui qui fait à la place des autres, celui qui s'assure que chacun est à sa place, chacun dans sa mission, chacun dans l'aboutissement de la ligne politique que l'on s'est donnée. C'est dans un grand travail collectif que je veux conçoit ma mission de maire de La Rochelle. Et pour cela, il faut écouter. Écouter les Rochelais, écouter les services qui ont de l'expérience, écouter les élus qui ont la légitimité. Mais une fois que chacun aura donné son point de vue, ma mission sera de trancher. D'accepter d'abord les contradictions, d'écouter les avis divergents, de prendre en compte tous ceux qui peuvent dire « ce n'est peut-être pas une bonne idée ». Et je sais que dans ma vie professionnelle, les échecs que j'ai eus, à chaque fois, ont été parce que je n'avais pas suffisamment écouté la contradiction et que j'avais pris une décision en m'isolant et sans suffisamment écouter. Quand on gère de l'argent public, on n'a pas le droit de fonctionner comme ça. On a le devoir d'accepter la contradiction jusqu'au bout, même si cela est exigeant, parce que c'est le seul moyen de prendre une bonne décision avec de l'argent public. Il faut trancher, à la fin. On ne peut pas toujours dire oui, il faudra dire non. Mais pour cela, la phrase est bien sûr de Mendès France, « Gouverner, c'est choisir ». Cela ne veut pas dire éliminer ceci ou cela, mais plutôt des faire de rangs de priorité. Nous ferons des rangs de priorité extrêmement clairs. Et pour cela, je veux que chaque projet d'investissement soit évalué, chaque projet, avec 3 critères. Un critère économique, impact sur l'emploi. Un critère social. Et quand je pense social, c'est au sens très large, ça englobe la culture, ça englobe les pratiques sportives. Et un critère environnemental. Si l'ensemble des critères sont rassemblés, à ce moment-là, nous mettrons en œuvre les investissements souhaités par les élus.
Ensuite, je veux vous dire que nos dépenses de fonctionnement doivent être régulièrement évaluées avec la montée en puissance de notre agglomération. Nous avons en France un millefeuille administratif. Et je veux qu'ici à La Rochelle, nous soyons en avance. Ce que fait la ville ne doit pas être fait par l'agglomération. Et nous savons tous ici, tous ceux qui ont un peu d'expérience, que nous avons des marges de progression. Et je veux répondre à ce moment à une remarque qui m'avait été faite il y a quelque temps. Pourquoi n'avez-vous pas accepté d'être président de l'agglomération en laissant le poste de maire à quelqu'un d'autre ? C'était un partage de pouvoir, la campagne aurait été tranquille, on était dans un certain confort. Mais comment voulez-vous, demain, gérer une ville et une agglomération avec deux responsables différents ? Cela veut dire deux cabinets qui sans cesse vont être en concurrence. Ça veut dire deux services de communication. Ça veut dire des rivalités permanentes. Moi, mon choix politique, il est d'aller vers l'efficacité pour les Rochelais. Il n'est certainement pas d'aller vers des pratiques politiciennes que j'ai toujours réprouvées.